Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour voir comment récupérer le talisman du dragon de foudre plus 2. Donc pour ça, on est actuellement en Feramazulum. Donc au niveau du toit du tableau des dragons. Donc une fois que vous avez fait toute la partie au niveau de la cime des géants, que vous êtes embrasé. Et donc on va suivre le chemin qui est pas si compliqué, sachant qu'on peut esquiver la plupart des ennemis, même les aigles. Hop. Donc là on perd absolument pas de temps, on va juste couvrir. Voilà, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Alors techniquement vous pouvez avoir un dragon de foudre hein, sur tout le chemin là. Pour le coup je l'ai tué. Donc je vais pas être embêté. Hop. Et on va continuer tout droit. Voilà. À partir de là normalement on devrait être tranquille au niveau des aigles. Là, je vais faire un tout petit détour. Juste pour vous montrer un peu mieux la zone et aussi je vais pouvoir récupérer ce qui traîne ici. Hop là, voilà, petite pierre de forge des dragons anciens. Voilà, donc là on voit là où on va aller, c'est-à-dire en bas. Donc là on a en fait le chemin qui se dessine. On va le faire tranquillement, pas de gros soucis, même si ça reste une zone de haut niveau, zone de endgame forcément. Voilà, donc pour l'instant on continue, là tout va bien. On va avoir quelques ennemis sur la route, mais rien de bien méchant. Et éventuellement en fait un chevalier. Je peux pas lui qu'il ait des soucis. Hop. Pour l'instant on peut le battre rapidement, au pire on fuira. Mais je pense que voilà, c'est excellent. Voilà. Potion, histoire d'être bien. Voilà. Alors, je vais pas être gêné pendant mon escalade. Voilà qui est fait. Donc, on prend l'échelle. Et ensuite. Alors, il me semble que c'est tout droit. On va monter. Voilà. On se préoccupe pas de ce qui peut traîner. Et donc une fois qu'on a pris l'ascenseur, on n'est plus très loin du but. Je se contenter de monter. Parfait, quand même attention. On a quelques trous qui peuvent être un petit peu traîtres. On va visiblement quelqu'un tombé dedans. Et donc là on a un chevalier du creuset. C'est du creuset qu'on va éventuellement affronter si je veux. On va fuir, puis voilà. Il m'a quand même mis quasiment 1000 life. En plus, il est chiant. Ouais. Clairement, il veut pas se laisser faire. Allez, faire double potion et on va fuir. Hein. Voilà. Hop. Le vestiaire, on va s'intéresser. Et on va monter directement. Donc, vraiment, si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé d'affronter. Vous laissez se battre entre eux et vous prenez l'échelle. Et on va plus très loin du but. Hop. Attention à ne pas tomber. Et voilà. Talisman dragon de foudre plus 2. Ghetto d'Azé. YouTube, on se laisse ici. N'hésite pas à liker et à t'abonner si la vidéo t'a plu. A très bientôt.